voilà, je vous reprends pour la première partie et la fin, en fait. Mais comme dans mes habitudes, j'ai commencé par le fond, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai eu ce petit souci donc de batterie et en plus j'ai toute ma structure qui s'est décollée de la couverture en fait. Donc j'étais obligée de la recoller et ça m'a un petit peu décalé un peu tout, mais bon, c'est pas grave. Donc nous étions en train de faire cette page que j'ai décorée un petit peu, mais je me suis vite arrêtée parce qu'en fait je me suis aperçue que j'avais pas fait le devant et que quand même il fallait que ça ferme. Donc je rappelle qu'ici nous avons fait une petite pochette ici pour pouvoir y mettre mes papiers. Je vais prendre un papier plus petit pour vous montrer. Je vais sûrement faire tomber quelque chose. Voilà. Donc nous avons collé deux pages les unes aux autres pour pouvoir faire ici une petite pochette. Voilà. Donc là, c'est pour mes pense-bêtes. Et là, c'est pour mes papiers importants. Et j'ai fait de même de l'autre côté avec une deuxième pochette. En fait, j'en ai une ici et j'en ai une ici. Voilà. Voilà, j'ai deux pochettes en fait. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec une séparation au milieu pour bien séparer les documents. Voilà. Ici, je me suis fait, donc, vu qu'il y a une pochette ici, je me suis fait pareil pour gagner de la place avec un petit tag. Voilà, j'ai rien mis. Et ici, je me suis fait un passant avec. J'ai bloqué ici avec une image en 3D. Juste un petit passant parce que c'est vrai que quand j'ai des rendez-vous, des ordonnances, pardon, souvent, alors moi et papier, je les range tellement bien qu'après je ne les trouve pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est comme ça. Donc si je ne les ai pas en vue, j'y pense pas. Donc voilà, j'ai pensé donc à me faire un petit emplacement pour tout ce qui est ordonnances, visite médicale ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc nous avons fini le derrière. J'ai ajouté des petites perles ici. Après, bon, selon les décorations, je verrai ce que. Enfin, je verrai pour comment je vais m'organiser tout ça. Je préfère finir le devant avant d'enclencher toutes les décorations. Voilà, donc nous avons fini la deuxième partie. La partie du milieu que j'ai fait sans vous. Voilà. Mais en fait, cette page, c'est exactement les mêmes que le fond. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour faire donc l'intérieur. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Bye bye!